parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. On en parlait hier à l'émission, 16h20, Fred Bastien. Déjà, on va mettre les choses bonjour. En ordre. 16h20, Fred Bastien. Fred Bastien, 16h20. Je vous présente l'un et l'autre. Bonsoir. Salut, 16h20, moi c'est Fred Bastien. Qui est une invention humaine. Exactement. 16h20, c'est l'heure à laquelle on s'allume un spliff qui brûle. Non, c'est ça? T'as rappé cette semaine. Claque mes dents, givré, je rêve au jour où je m'en irai. Ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. J'arrête. Hier, on parlait, donc... L'économiste le plus street du Québec. Je l'ai fait un peu en studio tantôt. Les jeunes, ils n'étaient pas sûrs. Boom bap, prenez les beats, boom bap pour Francis Gosselin. Mais la recherchiste, Alice, elle m'a regardé avec les yeux un peu écarquillés. Là, ah oui? Ouais, en plus, ça vient. Il faudrait que tu mettes un peu d'autotune pour que ça leur plaise. Eux, c'est la génération Drake, Migos. Ouais, en plus, elle vient de Toulouse. T'sais. Fait que la tactica, là, c'est rap. Pas genre. Ça relate pas. Est-ce qu'on est plus IAM ou Orelsan? Clairement, on répond Orelsan. Ouais. Ouais, en tout cas, bref, on parlera de rap français une bonne fois. Ça fait aussi partie de mes intérêts. Ce serait bien qu'on finisse les chroniques avec le prochain sujet. J'ai un scoop pour toi en plus. Ouais. Je vais pouvoir te parler de rap français de la France parce que je m'en vais aux Olympiques. Oui. Je pourrais faire des chroniques en direct indépendantes. Je m'attendais quand même à des chroniques olympiques aussi. Ça va être des chroniques olympiques, mais évidemment, ça sera non officiel. Donc, vous aurez la vraie vision des Olympiques parce que je ne serai tenu d'aucun discours officiel. Contrairement à toutes les fois aux Olympiques avant, où il y avait des choses que j'avais pas le droit de dire ou des choses que j'avais pas le droit de tweeter, là, cette fois, t'es libre. Tout est possible. Donc, hier, on parlait donc de Mouzaïane, on parlait de musique, et je t'ai envoyé sur la piste des succès sans lendemain. Les succès sans lendemain, c'est une belle manière de dire one hit éphémère, ouais, voilà, oui. Les one hit wonder, c'est-à-dire ces groupes de musique ou ces artistes individuels qui ont eu essentiellement un succès dans leur carrière. Ouais, une grosse tonne. Et là, hier soir, à la table de souper avec madame, ma très charmante conjointe, amoureuse et fiancée, d'ailleurs. Félicitations. Je me rappelais que je suis fiancé depuis 11 ans avec elle. Mère de mon héritier. On brainstormait en bon français et je t'en ai lancé tout plein. C'était bon, là. Gabriel de Trois Maisons, c'est etc. Gabriel de Trois Maisons, etc. Je pense que c'est le one hit wonder le plus underrated. Je suis bon dans mon. C'est une belle phrase française. Ça, dans un karaoké, ça lève, là, les amis. Ah ouais, hein? Je suis pas un grand fan. Je suis pas un grand utilisateur de karaoké, mais je serais partant à me prêter à l'exercice avec toi, Fred Bastien. Oh boy, ok, parfait. On fait du Bob Dylan puis du Avril Lavigne. Bob Dylan, Chumbawamba. Ça, je sais pas c'est quoi ça. C'est quoi non, Chumbawamba? On pourrait peut-être essayer d'en avoir en régie éventuellement. Mais là, on a un autre extrait. Moi, j'ai le numéro 1. Steal là. My Sunshine de Len. Oui, ça, un groupe canadien d'ailleurs en passant. Teenage Dirtbag. Oui. Ça, c'est quand même quelque chose. Ça, c'est quoi donc? Faudrait tout qu'on fasse jouer ça, mais en tout cas, ça va venir. Ça va bien de Kathleen. Oui, là. Bon, ça, c'est la seule. Puis, etc. de Gabriel des Trois Maisons, évidemment. Incroyable. Mais toi, tu es allé mondial, oui. Fred Bastien. Oui, ben, je pense que moi, selon que c'est moi. C'est le plus one hit des one hit wonder. Oui, puis selon moi, ça représente l'espèce d'industrie de la musique qui est incapable de prévoir qu'est-ce qui est un hit ou qu'est-ce qui n'est pas un hit, dans le fond. Parce que Red Red Wine, là, c'est la chanson. Là, on a un extrait, on peut quand même le faire jouer. Wow, L'essentiel des One Hit Wonder, des succès éphémères, parce que ça a pris des années avant que ça devienne un hit, puis une fois que c'est devenu un hit, ben là, c'est devenu comme une chanson iconique qui a joué à toutes les stations de radio. Est-ce qu'on commence la chronique, là, on est comme moitié du temps, mais commençons la chronique maintenant avec un extrait. Ben oui, The Red Red Wine, ça fait du bien, tout le monde. Bon vendredi, c'est les vacances. Donc, c'est un groupe anglais qui s'appelle UB40, qui a lancé cette chanson-là en 1983. Puis eux, à l'époque, ils savaient même pas qu'ils faisaient un cover de Neil Diamond. C'est une chanson originale de Neil Diamond qui précédait une version reggae que eux pensaient après avoir couvert. Puis là, dans le fond... La raison pour laquelle c'est devenu populaire cette chanson-là, c'est qu'il y a un DJ d'une radio américaine des années après plus qu'elle ait été enregistrée, qui était juste tanné que ce soit toujours les mêmes chansons qui jouaient à sa station. Puis là, il a comme essayé de faire une playlist un peu au hasard. Il a dit, hey, moi j'avais entendu l'espèce de légende urbaine qui disait, il essayait de mettre des chansons qui avaient des aliments dedans, tu sais, genre chicken ou tu sais, whatever. Puis là, il a fait jouer Red Red Wine. Puis c'est devenu
un gros hit, les gens appelaient à la station, puis là, c'est devenu un espèce de phénomène viral avant l'Internet, dans le fond. Il y a des remixes, d'ailleurs, excellents de ça. Je pense que, JP, on peut se calmer sur l'extrait. Là. Mais ça fait quand même du bien de penser que les vacances sont à portée de main pour bientôt et donc, tout le monde. UB40, le groupe derrière ça, là, c'est une gang de Blanc-Bec, finalement. Oui, exact. Peu, là. Exact. On est loin du reggae. Mais c'est la grande question entre l'appropriation culturelle et l'appréciation culturelle. Okay. Écoute, je ne suis pas de ceux qui pourront distinguer entre les deux parce que pour moi, c'est juste une tune reggae qui sonne très bien. Là, mais c'est là aussi que tu vois la fameuse désinformation de l'Internet parce qu'en faisant des recherches sur cette chanson-là, là, tu vois qu'il y a plein de monde qui cherche dans Google. Ils pensent que c'est Bob Marley qui a fait cette tune-là. Ça t'sais. Pourrait. Ça coïncide un peu avec le. Une voix instrumentale peut-être, mais là, la voix. En tout cas, je ne sais pas si c'est moi qui reconnais la voix, là, mais tu sais, ça me semble un peu dur à lâcher. Ouais. Mais oui, puis je pense que. Selon moi, là, un One Hit Wonder comme ça, là, c'est la meilleure chose qui peut arriver à un artiste musical. C'est, parce que, en théorie, tu fais ton argent sans payer la taxe de la célébrité. T'sais, personne ne sait à quoi ressemble le chanteur de Red Red Wine. Là, c'est un petit blanc bec blond. Là, exact, mais tu sais, je veux dire, il y a peut-être des descendants, ils dans un village quelque part dans l'Angleterre, il y a des millions à cause d'une tune qu'il a faite il y a 50 ans. Aucune idée, mais il n'a pas besoin là, de se lutter contre les paparazzis tous les jours pour défendre. Il n'a pas besoin de faire des stunts sur Internet pour que les gens écoutent sa musique sur Spotify. C'est comme, il a réussi à faire une chanson un peu magique qui, à un moment donné, au bon moment dans l'humanité, est devenue un meme. Ouais, est devenue un meme avant que l'Internet soit la consécration de cette expression. Pour moi, il y a quand même, puis là, mettons, je t'emmène dans mon univers un petit peu plus, Sébastien, puis je sais que c'est une question qui va t'intéresser, mais tu sais, bon, t'as comme un moment de génie, là. Tu es UB40, tu composes Red Red Wine, puis notre système est ainsi fait de droits, puis de, tu sais, propriété intellectuelle, que ces gens-là, genre, vont gagner des millions de dollars pour avoir été bon pendant 5 minutes dans leur vie. Puis OK, j'ai une réponse que l'économiste va adorer. Ouais, okay. Donc, c'est l'histoire d'une grosse compagnie qui veut engager une graphiste pour faire le meilleur graphique possible. Okay? Je sais où tu t'en vas. Puis la compagnie a dit « Wow, ça t'a juste pris 5 minutes de faire ce graphique-là. Pourquoi est-ce qu'on devrait te payer aussi cher pour juste 5 minutes de travail? » Puis la graphiste répond « Non, tu payes pour les 20 années d'expérience qui me permettent de faire ce service-là en 5 minutes. » Je comprends. Mais quand même... Il y a des artistes qui travaillent, tu sais, toute leur vie. Exact. Oui, tout à fait. Puis sûrement qu'ils travaillent mal. Parce que s'ils travaillaient mieux, il y aurait plus de succès. En tout cas, c'est pas moi qui dis, c'est le hip-hop. C'est une blague. Il y a une drôle de nuance, je trouve, à apporter que... on récompense pas l'effort. Là, ben oui, mais là. Effectivement, c'est vrai parce que l'art, c'est magique. C'est une de ces choses. Navidad, là, qui joue comme tous les Noëls 8 fois par jour. Oui. Mariah Carey qui fait genre le cycle de All I Want for Christmas Is You. C'est qui a composé Feliz Navidad? Ouais, c'est peut-être du folklore. C'est José Feliciano. Là, ah ouais, OK. Mais who cares? Comme tu dis, il est pas interviewé sa rue là, par. Non, non. Puis comme on s'est dit en onde aussi, c'est pas un hit tant qu'il n'y a pas une poursuite. Là. Tu sais, Who Let the Dogs Out, il y a à peu près comme 5-6 groupes qui revendiquent avoir composé ce refrain-là. Finalement, c'est une équipe de football des années 70. L'université s'en mêle, là, c'est compliqué. Y a-tu une poursuite derrière Red Red Wine, à ta connaissance? Pour l'instant, non, parce que tout le monde a juste accepté que c'était une chanson originale de Neil Diamond. C'est juste que le band lui-même le savait pas quand il a fait la toune. Puis après ça, on fait plein d'argent à la radio. Donc, mais tout pour dire, tu sais, comme tu dis, c'est particulier la production artistique parce que c'est une de ces choses où. En effet, on peut investir pour créer un espace où ça peut se produire, mais on ne peut pas avoir une garantie de retour. Sauf que selon moi, on peut quand même mettre les conditions en place pour avoir le plus de réussite possible, de probabilité de réussite possible. Puis pour la petite histoire, là, c'est clairement une chanson de Neil Diamond, mais il les a comme adoubés. Neil Diamond. Oui, il a accepté. C'est bon. Apparemment, Neil Diamond, même quand il fait des chansons, quand il la performe maintenant, il donne la twist qu'eux lui ont donné. Un peu, là, exact. La version reggae. Donc, c'est comme une manière de rendre hommage. Mais c'est ça, encore une fois, une autre belle leçon artistique, c'est qu'une fois que tu crées quelque chose et que tu le donnes au public, c'est plus à toi. Je sais pas si on a la version de Neil Diamond en studio. C'était peut-être un peu last minute comme demande. Ce n'est plus à toi une fois que tu le donnes au public. Puis pour le meilleur et pour le pire, parce que je pense entre autres à, par exemple, des groupes comme Rage Against the Machine.
Machine, ouais. qui voit parfois leur chanson utilisée par des causes avec lesquelles ils ne sont plus d'accord. Il n'y avait pas les Républicains, je pense, exact, à un moment donné. Exact, ouais, entre autres. Mais oui, ça doit être quelque chose de... Ah, puis même pire que ça, moi, j'avais lu dans le temps de Guantanamo, là, c'était qu'il y avait malheureusement des chansons de Rage Against the Machine qui pouvaient être utilisées dans le cadre de séances de torture. Pour les, Donc imagine à quel point tu dois te sentir horrifié en tant que groupe, tu sais, en tout cas. Bref, c'est des trucs qu'on lit sur Internet. Genre Wake Up de Rage Against the Machine qui cherche à nous... à nous réveiller, En lisant des passages de reportages. Les années précédant le woke, là, c'est Wake Up, c'était comme réveillez-vous face à l'oppression. Exact. Dans Wake Up, il y a des extraits de... Mind, I flex, flip like Wilson, vocals never like in the finesse, what I got to do, tu sais, on a un rapper. On a un rapper. Tu connais le Wake Up. C'est oui. Puis, la meilleure chanson de Rage, je pense. Il y a des extraits de rapports du FBI ou de la CIA qui laissent entendre qu'il pourrait avoir un assassinat envers MLK. C'est ça que Zach, il lit dans cette chanson iconique en mode conspirationniste. Ça me fait bien plaisir. Je pensais pas, quand j'ai vu que tu voulais me parler de Red Red Wine, qu'on allait finir sur Rage. Cette chronique est complète. C'est la fin de la Matrice 1. Wake Up. La première fois où Neo il s'envole. C'est bien dommage qu'il ait pas fait de suite à ce film-là. On va s'en tenir à ça. La Matrice 1, il y en a juste eu un dans le fond. Fred Bastien, merci encore une fois. Demain, c'est pas demain c'est mais, samedi, mais dimanche non plus. Les gens écoutent les podcasts lundi. Ben, écoute, si je suis à Montréal, je vais être Europe ici dans mais les prochaines semaines. Je vais aller aussi à Robertval. Je m'en vais voir, m'en vais voir le lac. OK. Donc, si jamais vous êtes au lac, pensez dire bonjour à Cube. En face, faites une chronique combinée avec un bleuet. Puis là, on va faire du rap français pour la recherche. On va faire du rap français pour les gens à la régie. Merci, Fred. On reste dans la place. OK, ciao. Bon été. Bon été. À bientôt. Bon show de punk rock ce soir, Rouge Pompier. Yes. Bye.